Yo, bien le bonjour du bonsoir, c'est Traclass et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et là-bas j'ai trouvé un sanctuaire. Et il est pas trop loin en vrai. Et bah aujourd'hui pour commencer nous allons nous rendre à ce sanctuaire. Je voulais mettre une balise, mais en fait je vais pas la mettre tout de suite. Parce qu'on va y aller tout de suite. Ah, quoique sur la map ça paraît proche, mais c'est peut-être pas si proche. Ouais, tant pis, j'ai décidé, on va faire le sanctuaire et après on ira au château et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Monsieur le sanglier. Ah, non, attends, fuis pas, fuis pas. Fuis pas, je t'ai dit. Je vais récupérer ta viande. Quoi qu'il me paraît, il me paraît loin. Hein. Ah, il me paraît loin. En vrai, on va le marquer sur la map et on va continuer la quête parce que c'est ce que j'avais dit qu'on allait faire. Il me paraît quand même vachement loin. Tac, allez. Voilà. Ça, c'est mes petits marquages. Je faisais ça aussi dans Breath of the Wild. Donc, on va continuer à garder un peu les mêmes marquages. Comme ça, on va être bien. On va s'y retrouver au fur et à mesure. On n'y voit plus rien. Link, depuis quand tu es de retour? Dire que je t'ai même pas remarqué rentrer alors que j'ai monté la garde tout le temps. Je dois manquer encore d'entraînement. Bah, c'est pas bien ça, mon pote, hein. Oz ne sait pas encore que tu es de retour, Link. Il doit être sur la tourelle qui est en haut de la colline de l'autre côté des portes. Va lui annoncer que tu es là. Je parie qu'il sera aussi surpris que moi de te revoir. Vas-y, hein, let's go, hein. C'est bizarre de nous rendre déjà au château. À mon avis, on va s'y rendre pour se rendre compte qu'on peut pas aller plus loin ou quelque chose du genre. Bon. En tout cas, pour le moment, on y va. Yop là! Yop là! Bonjour, c'est moi! Qui va là? C'est moi, c'est Link! Tout le monde ici est sur le qui-vive! On ne pense qu'à retrouver la princesse Zelda et Maître Link! Alors si tu crois que c'est le moment de te promener, c'est que t'as pas les yeux en face des trous! Maître Link, c'est bien vous? Veuillez me pardonner ma grossièreté, j'ignorais que vous étiez de retour! Mais alors, l'équipe de recherche ne sert plus à rien, si? Enfin, il va falloir voir ça avec le capitaine Oz qui dirige les opérations depuis la tourelle du troisième quartier. Suivez cette route et vous finirez bien par le trouver. Ok. Je ramasse les champignons d'Hyrule. Y'a quoi là-bas? Pourquoi faut-il toujours que je dévie de la route qui m'est proposée? Un délire ça, hein? Ouais, c'est trop long. On y va, on avance. On va... Ah non, on va pas abîmer celle-là. Non, non, non. On va continuer à utiliser ma double épée de la muerte. Épée militaire, elle s'appelle. Hein. Pêche stylée, parce que ça me fait quand même plus de rallonge. J'aime bien. Ça me fait une épée à une main, mais qui a une allonge presque de celle de main. Mais ma meilleure épée, c'est quand même celle-là. Hein. L'épée de malade que j'ai trouvée dès le début, là. Bon, je t'en fous. Alors, où j'aille là? Bonjour monsieur. Où est-ce que ressemble à Maître Link? Mais non, c'est impossible. Personne n'a le droit de passer. On cherche la princesse Zelda et Maître Link. C'est pas le moment de faire entrer le tout venant. Si tu veux vraiment passer, va voir le capitaine Oz. C'est lui qui donne des ordres. Il devrait être à la tourelle du troisième quartier, plus loin sur cette route. Ok, vous allez tout me faire monter à pied, j'ai compris. Ah, toujours dans l'abus, là. Hein. Quelque chose par ici? Quelque chose d'intéressant? Non. Ah, si, là. Je peux rien faire ici. Non, je ne pense pas. En plus, il y a des miasmes de l'autre côté. Je ne peux rien faire, malheureusement. Par contre, il y a un truc... Non, il n'y a pas de truc. Ok. Continuons vers le prochain garde. Salut, Tué. Les recherches ici sont terminées. Mais on avait demandé à trace princesse. Cela dit, tu ressens comme deux gouttes d'eau, Maître Link. Il risque d'être surpris. Oui, il est tellement surpris qu'il pourrait dérouler la tourelle des troisième quartier. Ok, vous me dites tous la même chose. Hein. J'ai un meilleur bouclier, là.
Pli de voyageur. Hop là. Oui, je viens de casser mon arme en tapant dans les tonneaux. J'ai le seum, en fait. Tu veux pas casser? Voilà. Moi qui décide, en fait. Voilà. Voilà. Pas possible, ça. Les tonneaux qui veulent pas se casser, là. Y a quoi, ici? La muraille? Y a rien. Ok. Est-ce qu'on arrive au troisième quartier, là, s'il vous plaît, là? Parce que le dernier épisode était déjà bien assez chiant comme ça. Comme nous, t'es venu pour aider à chercher la princesse Zelda, c'est ça? Tous ceux qui sont ici lui sont redevables. Alors forcément, on voulait l'aider, quitte à faire des trucs un peu ingrats. Sauf que le capitaine est dans la tourelle et qu'il a pas l'air de vouloir redescendre. Après, on a débarqué sans qu'on nous le demande, alors on prend notre mal en patience et on attend sagement. Voir un peu là l'état des trucs ici. Pourquoi l'eau s'arrête magiquement là? Ça devrait couler jusqu'en bas techniquement. Bizarre un peu tout ça. Faut pas que je tombe, faut pas que je fasse le fou. On voit rien de spécial hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Waouh, alors que c'est ça, un abîme. Je n'avais encore jamais vu. Il y a de quoi avoir le vertige. Ah, mais tu... Pas bien de m'adresser à la parole sans prévenir, comme ça. Un abîme, c'est un énorme trou créé par le cataclysme. Et il y en a un juste là. Ça me fiche la frousse. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de regarder. Très bien. Matériau de reconstruction, mais je me pose la question de à quoi ça va bien pouvoir nous servir. Hein. Je vois des roues et tout, donc je me dis pour construire des véhicules, mais on verra bien. Et encore, il y a plein de trucs, il y a une louche, pas besoin de louche. Là, ici, c'est une torche. Bon, besoin de torche. J'ai plein de gain de lumos au besoin, donc... Ici, les armes ont l'air corrodées. Je viens de me demander s'il reste encore des armes intactes ou quoi que ce soit. Tiens, t'es nouveau ici au moment de clater, les armes sont... Au risque de devoir se contenter de les renforcer. Ouais, donc toutes les armes sont corrodées, il faut les renforcer. Oui, j'ai eu un peu la flemme de lire parce qu'ils me racontent tous tout le temps la même chose et au bout d'un moment, c'est bon... Ça commence à être un peu pénible, quoi. Épée rouillée. Ah, donc c'est une épée rouillée et pas une épée de voyageur. Mais l'épée rouillée est de niveau 5 de base. Donc en vrai, je peux jeter celle-là pour prendre ça. Parce que j'ai déjà assez d'épée. Ah, épée de soldat est meilleure que l'épée rouillée. Tu vas monter là-haut? Je pense que je dois monter en vrai. Pas monter comme ça. Je dois monter ou je dois pas monter? Bon, je monte. Dans le doute, je monte. Ah si, c'est toi? Désolé, mais je suis occupé, là. Hein? Mais, Maître Link, c'est bien vous? Ça ne fait aucun doute. Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf, et la princesse Zelda est forcément avec vous. Ah, vous ne pouvez pas avoir le sang... Vous ne pouvez pas savoir le sang d'encre que je me suis fait. Je suis, mais alors, tellement soulagé.
Une minute, vous n'êtes pas revenu avec la princesse Zelda. Vous avez entendu la voix de Zelda et vous voulez vous joindre à nous pour la chercher. Si je peux me permettre, la situation est de plus en plus déroutante. Mais soit, nous continuons donc à chercher la princesse, n'est-ce pas? Avec vous dans l'équipe de recherche, Maître Link, on ne peut que réussir. Pour tout vous avouer, nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de tous les miasmes qui sont dans le coin. Capitaine Oz, regardez la princesse Zelda. On la voit? Elle est Al? Et? Ça me paraît bizarre tout ça. Vous êtes bien y vivante. Ouh! C'est un mirage encore, c'est un écho. C'est un écho de Zelda. Que hein? Et que? Vous l'avez vu, vous aussi, Maître Link, n'est-ce pas, la princesse Zelda? Elle s'est mise à briller. Elle s'est envolée. C'est incompréhensible. En tout cas, il y a urgence. Pourquoi a-t-elle disparu ainsi sans même nous répondre? Dame Prua doit être informée de cet événement au plus vite. Vu la situation, nous allons nous replier, nous aussi. Mais nous sommes nombreux et cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir Dame Prua et lui informer que nous avons vu la princesse? C'est quoi ce délire? Ok. Bah, c'était nul comme quête, hein. J'ai bien vu ce que j'ai vu là, Son Altesse Zelda en train de... Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Je ne sais pas ce qui se passe à la fin en fait, mais vous me faites perdre du temps. Je me suis éclaté la tête au sol. Et j'ai perdu des points de vie. Débile tout ça, hein. Débile, mais on va réitérer la chose, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je peux pas, genre, faire une traversée du mur inversé, non? Pas, ça me paraît très logique. Je vous avais dit qu'on allait réitérer la chose, hein. Hop. Voilà. On va mettre bien. Bon, bah, on retourne au village. De toute façon, c'est toujours le moment un peu chiant où il faut lancer l'histoire. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Tout ça, tout ça. Pour avoir enfin nos vrais objectifs et pouvoir continuer d'avancer. Je sais pas si je l'ai fait, celui-là. Non, je l'ai pas fait. Sinon, il me serait affiché en bleu comme celui-là. On va en profiter là tant que je suis là, que j'ai un petit peu de hauteur. Est-ce que c'est le même que... Je pense que c'est le même que celui-là. Hein. Dans le doute, je vais le laisser l'autre, mais je crois que c'est le même. Là, c'est une tour. Ça m'a l'air d'être une tour. Qu'est-ce que je mettais pour les... Ah oui, pour les choses que je ne savais pas tellement ce que c'était, je mettais ça. Petites étoiles. Et vu qu'il y a des tours un peu partout, je pense que en vrai de vrai, vu que c'est des tours, ah les tours, j'aurais peut-être dû mettre les des i. Je vais mettre des i pour les tours et je vais remplacer cela par des points. Que ça c'était les villages. Voilà, ça c'est pour que je sois un peu organisé dans ma tête, pour que j'organise un peu mes tampons. C'est un peu comme ça que je marche, et c'est comme ça que j'avais marché dans The Breath of the Wild. Oh, mais d'accord, il y a même une carte du ciel. Ah oui, d'accord, mais la map est immense du coup. Très bien. Voilà, comme ça, quand je regarde ma map, je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Par exemple, là, je sais qu'il y a des sanctuaires. Là, je sais que, du coup, c'est juste que j'ai marqué les villages. Là, je sais qu'il y a une tour. L'autre tour, quelle de là-bas? Ah oui, j'avais mis une petite étoile, c'est vrai. Hop, tour. Voilà. Que je sache un peu ce que j'ai visité, pas visité. Ah, mais il y avait une tour juste là aussi, que je n'ai pas faite. On va aller la faire en fait. Des fois que ça me débloque un peu ma carte. L'appareil, hop. Ici il y en a une. Tac.
Oh, pas forcément de sanctuaire ou quoi. Là, il y a une autre tour. Je sais pas si je l'avais déjà marqué. Non, ça m'a pas l'air. Ok. Là, il y a un truc bizarre et ésotérique. Quand je sais pas ce que c'est que les trucs bizarres et ésotériques, je fais ça. Une tour, ça, là-bas. C'est une tour. Hop là. Je la marque. Tac. Là-bas, il y en a encore une. Ça va, on les voit bien de loin. Tac. Paf, remplacer. J'en profite, hein, vu que je les ai un peu tous en visu. J'en profite pour les marquer. On fera toujours ça de plus en moins à faire plus tard. Je vais me casser la gueule. Là, après, c'est le château. Ok. Let's go. Retournons au village. Oh, j'ai encore utilisé toute mon endurance. Chaque fois, je me fais niquer. Oh, on fait déjà pour faire la pirouette magique, là. Comme ça. Ah oui, c'est vrai. Hop là! J'ai oublié que je pouvais faire ça. Ça m'est revenu d'un coup, en fait. Attendez, là-bas, je vois... Hi, trompette de bouton. Je vois un... Trop lumineux dans mes yeux! Pas du tout marqué ce que je voulais, là. Moi, ce que je voulais marquer, c'est ça. Parce que ici, il y a... un sanctuaire. Ok! On s'organise. C'est un peu comme ça que marche le jeu. Alors je m'organise du mieux que possible. Pas tout, tout fouillé ici. Je vous avoue que j'aurais été tout seul, j'aurais tout fouillé. Mais là on va éviter quand même, vu que l'épisode dernier était un petit peu plus pénible. On va se rendre au village. Et on visitera plus tard. C'est pratique qu'on ait des véhicules ou un cheval assez rapidement en vrai. Ça commence déjà à être un petit peu pénible de tout traverser à pied. Ouh, très bien. Bon, allez, laissez là. C'est pas assez intéressant, une ouh. Bonjour, mesdames et mesdames. Enchantitude. Est-ce qu'on va faire la... On ferait pas la tour en premier. Ah mais la tour, si, je suis déjà allé dedans. Je suis allé dedans tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est la tour bizarre comme ça. Est-ce qu'il faut monter, genre... Faut pas faire quelque chose, genre... comme ça. Pas du tout, hein. Bon, pour l'instant, on nous a pas appris à le faire, j'imagine. On va juste rejoindre Proa. Voir un peu ce qu'elle nous veut. Salut, on a vu Zelda. Link, te revoilà. Alors, t'as du nouveau? Hein, la princesse Zelda s'est mise à briller et s'est envolée. Tes histoires sont toujours aussi abracadabrantes. Mais si tu dis que ça, c'est passé ainsi... À part te croire, je vois pas trop quoi faire d'autre. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur ce cataclysme et ses répercussions qui ont lieu un peu partout. En plus, il y a deux, trois endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. Et en enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse Zelda. Enfin bref. T'as bien la tablette Proua, non? T'aurais moyen de me la montrer. Bon, elle a l'air un peu usée, mais elle marche. Alors, où est la carte? Ah. Oups, je pensais qu'avec la tablette Proua, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule, mais pas du tout. Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiques
ne sont pas encore prêtes. Permettant. Joshua. On en est où avec la tour de reconnaissance? Voyons voir. L'extérieur est terminé. Mais l'intérieur, non, c'est ça? Il y a un truc bizarre derrière, là. Ah oui, le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages. Téléporteur, c'est ce que j'allais... ce que j'allais... Je 1, 2, 3, c'est que je l'avais oublié, celui-là. Maintenant que j'y pense, je ferais peut-être bien de m'en occuper. Désolé, Link, je m'en occupe tout de suite, mais il va me falloir un peu de temps quand même. Toi, tu as quartier libre. Enfin, n'en fais pas trop, tu dois être rincé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie, c'est là qu'on a dressé notre camp. Il y a des lits de camp, une cuisine, c'est l'idéal pour piquer un roupillon ou casser la croûte. Tu veux en savoir plus? Mais j'ai déjà fait ça, va donc te renseigner auprès du garde posté à côté de l'abri de survie là-bas, au centre du fort. Tu as besoin d'une tenue? J'ai déjà acheté. Je vais t'adresser à la boutique d'Orias. Moi, je serai à la tour de reconnaissance, alors dès que tu es prêt à décoller, dis-le-moi. Bah, je suis prêt, en fait, hein. Allez, Joshua, il va bien falloir qu'on active cette tour de reconnaissance. Bibi s'occupe du téléporteur. Toi, ma petite Joshua, tu fais son affaire à l'interrupteur. D'accord, professeur Pouvoir, je vais faire de mon mieux. Allez, je vais avancer dans le jeu, s'il vous plaît. Bon, j'ai vu un truc bizarre et ésotérique de l'autre côté. Proa. Et alors, ce truc Vessi, non, là plutôt. Bah voilà. Qui c'est qui a fini? C'est Bibi. Ah, Link, tes préparatifs sont-ils terminés? Je viens justement de boucler les derniers ajustements. Le téléporteur devrait fonctionner maintenant. Joshua, tu es prêt ici? Enclenche interrupteur, s'il te plaît. Tout est prêt ici. Ça s'allume. Oui. Et du coup ça. Ah d'accord, ils s'allument tous du coup. Très bien. Ah, ça c'est cool. Bon, est-ce que du coup maintenant je pourrais les activer au fur et à mesure que j'avancerai dans la map, quoi. Professeur Pouvoir, les autres tours de reconnaissance ont aussi l'air de fonctionner. Bah, tant mieux. Link, c'est à toi de jouer maintenant. Est-ce que tu peux tenir la tablette Pouvoir au-dessus du terminal qui est juste là? Oui, je peux, mais attendez. J'ai vu un truc bizarre là-bas. Un carré volant. J'ai trouvé ça plutôt très intriguant. Ah. Hop là. Alors, mettre mon machin ici, d'accord. Ça va me téléporter en haut directement? Parce que ça serait plus pratique que de devoir escalader les tours. Même si, bon, c'était un petit peu marrant au début d'escalader les tours et tout, mais... On s'en fiche un peu, quoi. Bien. Et voilà. Cette tour de reconnaissance a été enregistrée dans la tablette Proa. En gros, tu devrais pouvoir te servir du téléporteur. Un dispositif qui te permet de rejoindre à tout moment une tour de reconnaissance que tu as enregistrée. Alors, avoue que ça t'embouche un coin. Mais attends, mon petit coco. Parce que t'es loin d'avoir tout vu. Le tour de reconnaissance à la base, c'est fait pour cartographier, pour faire des cartes, quoi. Elles permettent de faire un relevé topographique de la région où elles sont plantées. Les données collectées sont envoyées automatiquement vers la tablette Proa et viennent compléter ta carte. Avoue que c'est génial.
Un simple repérage et paf, t'as toutes les données dans la tablette. Enfin, pour le faire sans risque, il faut être un champion de la paravoile. Et toi, avec les paravoiles, t'es justement imbattable. Mais j'ai pas de paravoile. Ça, quand t'as attendu pour tester le système. En bref, tu vas avoir besoin de ça. Oh, bah elle me file ma paravoile. Bah, au calme. Ah bah ça fait plaisir. Je t'ai épaté avec mes explications. À toi de m'épater avec une puissante démonstration. Tu vas faire un repérage d'essai. Tu veux bien essayer le système d'éjection. Je veux dire, le point de lancement qui est juste là. Bien. De mon côté, je t'observerai tranquillement depuis le laboratoire. Quand tu auras fini le repérage, on passera aux recherches de la princesse Zelda. Donc d'abord que tu enregistres sur la carte les endroits touchés par cet étrange phénomène. Une chose après l'autre. Commence par revenir en un seul morceau, d'accord? Je vais me faire catapulter? What the fuck? C'est quoi ce délire? C'est des fous! C'est des malades mentales dans leur cerveau du matin. C'est des fous! Ok. Carte de la surface mise à jour. Carte du ciel mise à jour, d'accord. Mais comment je fais moi maintenant pour repérer mes trucs? C'est pas pratique, ça me plaît pas tellement, hein. Pas vous le cacher. Pas fou de ce moyen-là. J'ai mis un dernier point, non? Jaune. Où mon point jaune? Et dans le ciel? Non, à chaque fois je fais les mêmes là. Là, il y a une tour. Tour, c'est ça. Tout là-bas, il y a une tour aussi. Je sais pas si j'ai déjà marqué. Si j'ai déjà marqué. Alors ça, j'essaie de repérer un peu les tours, mais comment je fais pour repérer par exemple les sanctuaires, parce qu'on les voit moins bien. Pareil pour les trous béants, je sais pas quoi. Là, il y a un trou béant, je sais pas quoi. Avec quoi je le marque, le trou béant, je sais pas quoi. On le voit quand même suffisamment sur la carte, mais... On va mettre ça, puisqu'on y voit en fait sur la carte. Ouais, en même temps, si, j'ai quand même grave le temps, quoi. Waouh! Je t'ai jamais dit de l'enlever, mon par... Ah, mais j'ai plus de... Bah oui, j'ai plus d'endurance. Qu'est-ce que c'est nul! Oh non, mais c'était très bien avant de... Ah, mais je vais mourir, là! Ah bah oui! Eh bah, la mort, hein. Bah oui, mais moi, j'aimais bien prendre mon temps au détour pour examiner un peu toute la carte. C'est quoi ce système à la con, là? Ah, excusez-moi ma vulgarité, là, mais...
Mais c'est nul! Pourquoi ils ont fait ça? C'est très bien de monter en haut de la tour. On vous a jamais demandé d'être parachuté ou je ne sais quoi, c'est quoi ce délire là? Et en plus, il va y avoir votre cinématique à la con à chaque fois là. J'ai l'impression. Hein. Je peux même pas la passer. C'est une dinguerie. Ouais, super. Je vois pas les sanctuaires, je vois. C'est pas pratique. On a déjà fait ça, pourquoi vous me remettez ça? Super, allez. Que je cartographie un peu tout là. Loupé, putain, je voulais l'enlever la balise, mais non. Ok, donc c'est la jaune qu'il me faut. Ouais, je suis vraiment pas fan de ce système là. Hein. Monter à la tour comme avant, c'était bien. Au moins, on avait tout le temps qu'il nous fallait pour examiner les alentours. Vous pouvez voir à 360 degrés efficacement. Là, c'est pas dingue. À la fois, c'est pas dingue. À la fois, je ne vois aucun sanctuaire. Je suis un peu mitigé. Je pense que je l'ai déjà marqué celle-là. Ouais, je suis vraiment mitigé hein, sur tout ça. Hein. Bon. Bah celle-ci au moins c'est fait. Vraiment pas fan de leur nouveau système là. Ça me plaît pas du tout. Ah oui, excuse-moi, proie. Bon retour sur Terre, tu nous as fait un saut prodigieux. En même temps, on n'attendait pas moins de toi. Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques? Bien. Alors tout baigne, la carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête. Et ce, à compter de maintenant. Ah, et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance, n'hésite pas à aller la voir. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y a eu des calamités un peu partout au niveau. Montre-moi ta carte, tu veux. Vas-y, hein. Vas-y, hein, je te montre la carte. Hein. Il y a la région des bras, au nord-ouest. Ensuite, celle d'Ordine, au nord-est. N'oublions pas les contrées Gaudo, au sud-ouest. Pour terminer, la région de l'Anel, à l'est. Les endroits frappés par les calamités sont concentrés ces quatre régions. Je rien te garantir, mais je sens qu'en allant sur le terrain pour enquêter sur ces calamités, on obtiendra des indices sur la princesse Zelda. Ah, mais voilà qui me fait penser à un bruit qui court, professeur Proua. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf, dans les régions des bras au nord-ouest. Ok, donc on va se diriger là-bas en premier. Une rumeur, voyez-vous ça? Normalement, je prête juste zéro attention au cancan, et j'encourage même à les tuer dans le feu. Sauf que là, on se trouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. Revenons à toi, Link. On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu trouveras personne plus calé sur les affaires du royaume. L'agence de la presse est juste devant le village Piaf, alors tu devrais passer par là. À ta place, j'en profiterai pour aller voir la rédactrice en chef. Elle devrait pouvoir t'aider. Je vais poursuivre mon enquête sur les abîmes et sur les vestiges tombés du ciel suite au cataclysme. Et je vais tâcher de vérifier s'il n'y a pas des indices concernant la princesse dans le hameau. Dans les hameaux et autres lieux de passage. Alors pour ce qui est de l'enquête sur les calamités, je compte sur toi, Link, ok?
Et si on s'y met ensemble, je suis sûr qu'on finira par la retrouver, notre princesse. Hop, hop, hop! T'as une quête, toi. Désolé, je n'ai pas le temps de discuter pour l'instant. Je dois absolument parler à Pharas de nos recherches sur les abîmes. Reviens me voir plus tard. Ben, je voulais que tu me donnes ta quête. Bon. Ebra. C'est par là, Ebra, je crois. Hein. On va retourner voir le Gugus d'en dessous, il va nous le dire. Là, il y a un oiseau K-pop. Tiens, cette silhouette. Dis donc, ce serait pas toi que j'ai vu planer dans le ciel tout à l'heure? C'est un honneur de te rencontrer en personne. Le premier vol depuis une tour de reconnaissance, dit. C'est un événement historique, dis-moi. C'est quoi ton petit nom? Je suis Link. Link, c'est bien ça. Ah mais attends voir. Tu savais que... Tu t'appelles pareil que l'autre type, là? Tu sais, celui avec l'épée de légende? Oh, c'est vrai. Je ne suis pas présenté. Moi, c'est Pen. Je travaille pour la Gazette des Bois. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé ici, je vais écrire un article du tonnerre. T'as intérêt à le lire. Bon, c'est pas tout ça, mais je file. On est en sous-effectif, alors je passe mon temps à voler à droite à gauche. Et alors, ça nous fait vraiment pas de mal d'avoir un petit jeune de ta trempe dans l'équipe. Si jamais ça t'intéresse, nos bureaux sont en Ebra, au nord-ouest d'ici, près du pont qui mène au village Piaf. Passe donc nous voir, bien sûr, sur ce bon vent. Ça part. Ok, ça part. Oui, c'est bon, il s'est envolé. Tu n'as pas regardé 10 ans non plus. Et lui, je lui ai pas parlé tout à l'heure. Pas ton temps, mais si vous voulez parler, il faudrait le faire en me regardant m'entraîner. On sait jamais quand on sera à la prochaine attaque des monstres, alors en attendant, je dois peaufiner ma maîtrise des armes. Si vous voulez vous entraîner vous aussi, n'hésitez pas à utiliser une de ces épées. Oh! Chacune d'entre elles se manie d'une façon un peu différente, il vaut mieux essayer plusieurs avant de faire son choix. Connaître vos armes sur le bout des doigts et savoir parfaitement comment les exploiter. Leur corrosion n'aura alors plus beaucoup d'importance. Il y a des armes du turfu là! Bah, royal. On dit, bah, je veux le service de la protection de famille royale. Si on parvient à esquiver une attaque ennemie, elle permet de le booster avec force. Finalement, je suis encore pas assez doué avec ça. J'allais vous donner ceci, mais on dirait bien que vous ne pouvez pas porter davantage d'armes. C'est un peu truie et revenez me voir. Mais je vais finir par jeter toutes mes armes, c'est une dinguerie. Une dinguerie, en fait. J'ai pas assez de place, hein. Il me faut plus de place. Hein. Oui. Faut voir l'épée de soldat, ça fait quoi? Tu te trouves abandonné par le soldat du château. Comme les jarres et que sa lame étroite, elle permet de délivrer des attaques chargées très rapidement. Je vais donner, si vous le voulez, mais laissez-moi juste un instant. Hop. Voilà. Il suit un entraînement digne de ce nom, d'accord? Des attaques chargées plus rapidement. Épée de soldat. Elle est un peu abîmée, je suis sûr qu'elle vous sera utile pour les années en soi. J'ai envie de pouvoir discuter avec un autre amateur d'art, ça me motive encore plus à m'entraîner. Épée de chevalier. Épée de chevalier est utilisée pour chevalier pour défendre le château. Un jour, je me suis retrouvé face à face avec un terrible monstre. Ma vie ne se tenait plus qu'un fil. Et puis bam, grâce à cette épée, j'ai pu délivrer un coup d'une puissance phénoménale. Peut-être l'adrénaline qui m'a poussé une force extraordinaire, mais j'ai été drôlement surpris. Cette épée vous plaît, prenez-la, je vous en prie. Qu'est-ce que ça fait celle-là? J'ai pas tout compris. Terme chevalier révèle son nom qu'à une situation où sa puissance d'attaque augmente quand son porteur n'a plus qu'un seul cœur. D'accord. Je vais prendre l'épée royale aussi. Hein, On va balancer la lance. Je pense que ça sera mieux ça. Hein. Esquive une attaque et permet de riposter avec force. Je peux vous donner si vous voulez, laissez-moi un instant. Ok. Bon. Je finis tout le temps par jeter toutes mes armes, donc c'est un petit peu pénible quand même. J'entraîne tellement que je n'ai pas pris le temps de me présenter. Je m'appelle Raja. Mais, Maître Link, je suis terriblement désolé, Maître Link. Si j'avais su que c'était vous, j'aurais interrompu mon entraînement, bien sûr. C'est un véritable honneur de vous rencontrer. Je vais reprendre mon entraînement sur le champ pour devenir un épiste aussi talentueux que vous, Maître Link. Bah merci bien. J'ai plein d'épées différentes.
D'accord, elles avaient déjà des effets en fait, les autres. Bon, tant pis. Hein. On mettra des trucs magiques et ésotériques dessus. En temps voulu. J'ai l'impression que les flèches sont revenues là-bas. Ah, la tenue Ilienne aussi. Et je l'ai déjà, la tenue Ilienne. Bon, quoi qu'il en soit, il faut que je me rende. Coûte 100 balles. Vas-y, c'est bon, j'ai déjà 121 flèches, ça suffira. Faut que je me rende. Oh, il y a un truc là en dessous. Opinion, d'accord. Je me rende à Ebra. Je voulais retourner voir la carte de l'autre en dessous là. Magie, magie, allez. Oh, pourquoi tout est long comme ça dans ce jeu? Oh là là! Pourquoi est-ce qu'on peut pas passer ça? Bon, je connais, je suis déjà venu une fois. Et moi, ce que je veux, c'est ça. Toi là. Parle-moi des villages. 8 villages principaux. Vas-y, recommence ton pitch qu'on a déjà vu dans l'épisode dernier. Fort de Guet, d'accord. Ebra, c'est bon, j'ai ce que je veux. Ebra, c'est tout en haut à gauche. Bien là où je pensais, mais je préférais être sûr avant de partir. Avant de me mettre en route. Oui. Pourquoi je ne peux pas passer les dialogues, frère? Oh, s'il te plaît. Ah. Allez. J'ai envie d'avancer un peu là. Ça fait 2 heures que je tourne. Là, j'ai tourné 2 épisodes. Je n'ai rien fait à part lire des dialogues. Oh. Je me trompe de bouton en plus. Enfin, lire des dialogues nuls là où il me raconte 15 millions de fois la même chose. Je voulais aller voir la petite là avant. Elle avait une quête apparemment. Salut. Bonjour, cet après-midi est tout à fait charmante, tu ne trouves pas? Et toi, ta tablette pro-A peut encore être améliorée. Une fois que Joshua sera un peu calmé avec ses histoires d'exploration des profondeurs, je retournerai au labo. Alors Pharas, tu m'écoutes ou quoi? Oh, ahem, oui, bien sûr. C'est ce que tu disais. Je disais que je voulais aller explorer les profondeurs. Si tu ne veux pas m'écouter, je vais y aller toute seule. J'ai juste à sauter dans un abîme et on n'en parle plus. Hors de question, jeune fille. Les profondeurs sont situées tout au fond des abîmes. C'est un vrai labyrinthe qui a à peine été exploré. Oh, crois-moi, j'aimerais bien y aller, m'y dégourdir les jambes moi aussi. Qui sait quelle merveille y sommeille. Hélas, d'autres choses moins avenantes s'y dissimulent peut-être aussi. C'est bien trop dangereux. Je vais certainement pas t'envoyer gambader dans l'inconnu. Si jamais quelque chose devait t'arriver, Proa ne me le pardonnerait jamais. Jamais. L'étude de cette figure humanoïde nous aiderait à en apprendre davantage sur les profondeurs de la Terre. Quelle figure? Oh, monsieur Chevalier, désolé, j'étais en pleine conversation. Joshua, responsable de la fouille souterraine. En train de parler d'une figure bien particulière. Elle était dans les trucs ramenés par l'équipe envoyée en exploration dans les profondeurs de la Terre. Regarde bien la figure sur ce fragment cassé. Trouve pas qu'on dirait quelqu'un debout sur ses deux jambes qui lève un bras au-dessus de sa tête? C'est bien l'image d'une personne. Ça pourrait être une preuve que des gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la Terre. Ok, donc il va y avoir la Terre, Hyrule et le ciel. Oh bah, punaise! Je voudrais y aller moi-même dans les profondeurs pour voir si on y trouve d'autres représentations similaires. Crois-moi, j'y tiens plus que tout au monde. Moi, je peux y aller. Mais Pharas a décidé que non, c'est trop dangereux, et je ne peux pas y aller. Oh, Joshua, puisque c'est comme ça, je vais moi-même mener l'enquête sur cette fameuse figure humanoïde. Et Link va m'accompagner. Vas-y, hein. Je vais utiliser la tablette Proa pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ensuite, avec l'appareil photo, je vais en capturer une image qui te montrera à Proa. N'est-ce pas un plan digne de génie? Mais oui, l'appareil photo, c'est une des fonctions de base de la tablette Proa.
Il te permet de capturer n'importe quel sujet sous la forme d'une image que tu peux conserver. Si tu ignorais encore son existence, alors tu as 1000 lieues de maîtriser ta tablette Proua. Et ne t'en fais pas, je vais t'apprendre à t'en servir de ce pas. Suis-moi, les profondeurs regorgent de monstres. Allons, je compte sur toi pour faire office de garde du corps au passage. Voyons, nous ferons bien d'entrer dans l'abîme au sud du fort de Guay. Je pars en éclair, viens me rejoindre quand tu seras prêt. Bye bye. Ok, on va faire ça. Attends, Pharas. On va faire ça. Bon, on va se diriger vers l'abîme. Ah, il est parti. Je suis navré de t'avoir embarqué dans cette histoire, monsieur le chevalier. Pharas a tendance à être un peu impulsif quand il essaye de me protéger. Oui. Le moins que je puisse faire, c'est te donner ça. Oh, merci, j'en ai déjà plein. Hein. Oh, et puis ça aussi. Bon, merci, j'en ai déjà plein. Hein. Tu fais leur incroyable profondeur, la lumière de la surface n'arrive pas jusqu'au fond de l'abîme. Il fait un noir d'encre. Si tu attaches une graine lumos à une flèche, tu peux éclairer une zone tout entière. C'est super pratique. Pour trouver l'abîme où s'est rendu Pharas, il te suffit d'emprunter la porte sud du fort de Guay. Pas grand chose au sujet de l'appareil photo qu'il t'a dit d'utiliser. Je compte sur toi pour trouver une autre représentation humanoïde. Pour protéger Pharas, bien sûr. Ok. Je peux acheter ça maintenant ou pas? Non? Ok, bon, dirigeons-nous vers les abîmes. Ça devrait être sur ma route, de toute manière. Ah non, pas du tout. Ma route, c'est là-bas. C'est pas grave, dirigeons-nous vers les abîmes. C'est un espadon, voyageur. Je sais pas si je fais bien à chaque fois de mettre un matériau dessus ou pas. Là j'ai deux fois le même, donc est-ce que je mets un matériau dessus? Qu'est-ce qui vaut le coup d'être mis en fait, surtout? Corne de golem, c'est bien, mais... C'est cher quoi, c'est assez rare comme truc. Moi je veux pas en mettre hein, pour le moment. Vu que j'ai pas grand chose en vrai. T'as vu quelque chose? Qu'est-ce que t'as vu? Je me souviens d'avoir vu quelque chose tomber de cette île qui flotte dans le ciel. Voilà quelque chose. Avec... Maître Ling, pardonnez-moi. Oui, c'est moi en fait. Bon. On va se diriger là-bas et je pense qu'on va s'arrêter juste devant, malheureusement. Excusez-moi un peu pour ça, mais. Comment dire. Comment dire, ça fait déjà 1 heure quoi, donc 50 minutes, et je veux pas faire non plus des épisodes trop longs. C'est vrai que c'est les deux derniers épisodes ont été peut-être un peu plus chiants, mais bon, faut bien que l'histoire se lance un peu. Les Zelda, c'est pas quelque chose de très rapide, c'est assez lent du cul, hein. Je vais dire un peu ça comme ça. Donc c'est comme ça, hein, faut faire avec. Mais c'est pas... Retourne-toi! Mais pourquoi... Ça, c'est un truc qui m'énerve. Ça m'énervait déjà dans Breath of the Wild. C'était là. Tu veux taper à l'arrière, mais non, il tape devant, ce débile. Link, il est juste trop con. Oh, je sais que c'est moi qui sais pas jouer, mais quand même, laissez-moi un peu me vénère. Pour moi, c'est débile de... Faire quelque chose comme ça. Moi, c'est les pommes parce que je vais en avoir besoin. Dirigeons-nous vers ici. Oui, de la clarté. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Le fruit est tellement gorgé de lumière, vous allez pour libérer un éclat éblouissant autour de vous et aussi aveugler les monstres. D'accord, ça aveugle les monstres. Et là, on est devant le machin bidule chouette. Bon. Vous savez quoi? On va faire le sanctuaire comme dans l'épisode dernier. Et après on s'arrêtera là. Ça me paraît bien. C'est quoi ça? Un caillou. Simple petit caillou. Jeune voyageur, fais-moi confiance et tiens-toi éloigné de cette étrange substance. Il s'agit de miasmes, tu les touches et draineront ton énergie assez rapidement. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai touché des miasmes pendant que je faisais des recherches dans les profondeurs. Heureusement, dès qu'on retourne à la surface, on récupère un peu de l'énergie.
Maintenant qu'on est dans les profondeurs de la Terre, on récupère rien du tout. J'ai cru que j'allais y passer. Ouf, et dire qu'on m'avait fait confiance pour diriger la recherche ici, quelle tristesse. Je ne sais pas ce que je ferais sans Guerpin. J'espère avoir récupéré avant la nuit. Très bien, mais moi je veux faire le sanctuaire. Allez, c'est parti. Petit sanctuaire, comme ça on débloque le point de téléportation pour ici. Et puis dans l'épisode prochain, on ira faire un peu la quête à l'intérieur de cet abîme. Si on peut, parce que ça se trouve, on peut même pas. On verra bien. Alors, rotation savante. Rotation savante. Ah. Je vois un peu le délire. Et hop là, hop là, hop là, hop là. Ça c'est fait. Il y a un de spécial là-haut. Il manque un axe en fait, et ça fait que c'est très, très perturbant à tourner ces trucs. Non, je ne peux pas le mettre droit. Mais c'est moi qui suis con ou comment ça se passe? Ok. Il suffit de se faire comme ça en fait. Yop! Voilà. Ça c'est fait. Suivant. Là-bas on a un coffre. Un coffre que je ne peux pas récupérer d'ici. Je vais devoir utiliser ce qu'il y a là-dedans pour aller là-bas, j'imagine. Tac. Je devrais m'en servir pour monter là. Tac. Bon, c'est une blague ça. Oh, ça c'est vraiment débile hein, par contre. Voilà. Et du coup, je pourrais faire normalement ça. Et hop là! Bon, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Mais moi, tant que j'ai accès au coffre, ça me va. Remettre tempo. Ouais, ça peut toujours servir. Et maintenant, faut que j'arrive à le faire passer ici. Bah tranquille en fait. C'est easy peasy. Maintenant je vais devoir faire la même chose que l'autre côté j'imagine. Voilà. Je mets comme ça. Et là maintenant je peux faire ça. Ah mais à chaque fois je me trompe de bouton. Voilà. Pourquoi je veux utiliser mes pouvoirs de la tablette Sheikah, enfin même pas, c'est le pouvoir de mon bras en plus ici. Je vais utiliser avec la flèche de haut alors que non, c'est le bouton L. Ça y est, oh bah c'était plutôt tranquille. On va passer les blablas hein, des sanctuaires hein, parce que c'est quasiment tout le temps la même chose, donc au bout d'un moment on connaît quoi.
Lueur bienfaisante, ça m'en fait deux, c'est très bien. Comme ça, on a débloqué le TP, TP pour aller près de ce truc. Et ça nous met plutôt yimbe. Et on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Dans l'épisode prochain, j'espère qu'il y aura un peu plus d'action. Voilà, bon. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve dans un prochain épisode.